négliger? Qui va se négliger? Bon, ne parle plus à l'autre, c'est que les gens vont connaître ta voix. Bon, Miwaros, on était ouf, on était en train de danser. Voilà, je ne sais plus combien de gens sont là à me regarder. Connectez-vous, partagez. Hey, Miwaros, je suis tellement contente ce soir, tellement contente parce que dans la vie, il y a des gens qui vont me pousser à bout, pour me rendre folle, pour me faire passer pour celle que je ne suis pas. Mais j'ai failli céder à ça. Vous comprenez, non? Je peux vous dire. Voilà mes harcèlements que je mets moi-même sur les réseaux sociaux. Voilà le lot qui me harcèle inbox. Écoutez ce qu'elle dit. Elle a mis mes photos. Elle a sorti mes photos. Photos nues d'ailleurs. Voilà, elle m'a mis ma photo. Moi, je vous mets dans moi. Moi, voici ici. Ça, c'est moi. Ça, c'est moi ici. Ça, ce sont des photos que quand je me cherchais à l'époque. Moi, je vous mets ma part de photo. Parce que ça va un peu loin. Ça, c'est moi. Vous connaissez bien les jambes de la veuve joyeuse. Parce que quand on se cherche, on est obligé de faire certaines choses à l'époque. Parce que avant que vous ne voyez, moi-même j'aimais, parce qu'on a été menacé. Et là, c'est mon clitoris. Mon clitoris que les hommes aiment bien. Pour te dire, nous, là où je peux aller. Voici mon clitoris ici qu'on a mis. Qu'on est parti. Ils sont partis allonger mon clitoris dans l'autre chose pour dire que j'ai un long clitoris. Donc, voilà ça. Ce sont mes fesses. Voici mon clitoris ici que je mets moi-même. Pour te dire que le long foulage, tu es bête. Moi-même, j'aime mes choses. Hein. Et on m'insulte ici en disant comme quoi. L'héritage d'une veuve, deux enfants métis qui ne connaissent pas leur père, comme toi. Tu es la fille d'un tapeur de bœuf que ta mère a eu un soir avec un client. Tout cela, c'est voilà les preuves. Et ça c'est une vidéo. Ma vidéo aussi, qu'on avait fait. Parce que moi, vous savez que je suis une femme très très belle. Donc moi-même, je vous mets déjà ça pour montrer que c'est moi. C'est ça que le long Fonja a mis. Elle passe son temps à m'insulter, à humilier à Facebook. Donc moi, je mets ici. Ça, c'est une vidéo. Je vais vous mettre la vidéo aussi. Parce que moi, quand ça arrive ici, là, mieux vaut qu'on termine. Il ne suis plus moi dedans. Parce que je ne veux pas qu'on dise que la mauvaise chose. Moi, je mets d'abord. Vous faites les captures de cran. Parce que moi, je n'ai pas honte. Et je suis belle. J'avais un beau corps à l'époque. Quand on se cherche avec un seul homme, un même homme, qu'on appelle Otam. C'est lui qui avait toutes nos vidéos, qui nous filmait. Voilà. Voici ma vidéo aussi. Elisabeth, je suis une fille du sud du Cameroun du Diaïlobo. Oui, je vous remercie déjà d'avance pour ce que vous faites aux femmes au niveau du Cameroun. Et en préalable, parce que peut-être vous allez faire pour moi à l'avenir. Donc voilà, comme je vous ai expliqué, je souhaite ouvrir un petit restaurant africain. Voilà. Voilà, bon. Voilà, c'est la même personne qui m'a. Qui va... Une plainte est déposée contre toi, ta loi va te traumatiser. La honte des boulots, je vis au Cameroun. La honte des boulots, ça c'est le numéro 06 46 12 89 12 qui m'envoie. Moi, je suis très contente que tu restes là à m'insulter. Parce que ce n'est pas Lolo. Ce n'est pas une autre personne, c'est Lolo Fondia, c'est le double Lolo Fondia. C'est elle qui m'insulte aussi avant ton numéro. Lolo Fondia va te dire que moi-même, j'ai déjà mis. Moi, la plainte est déposée au Cameroun, comme tu dis. Non, non, moi, je vais te porter plainte ici. Je te porte plainte contre ça. Parce que c'est toi qui donnes ça. On est d'accord? Et je vais te porter plainte au Cameroun. Parce que moi, je m'en vais au Cameroun. Et je n'irai jamais en prison au Cameroun. Mais toi, tu vas aller en prison. Tu te caches où je dis non. Et les gens me disent que la voix, je laisse, laisse, laisse. Je vais laisser quoi? Voilà ça ici. Il a dit que hein, tu sauras ce que tu cherches. Tu as entendu ici.
Voilà. Voilà, c'est ici. La personne là. Et la personne là qui m'écrit me regarde très bien. Pour dire que vas-y. Je m'attaque aux personnalités. Le nom, c'est une personnalité. Le nom, c'est une personnalité. Tu es malade. Lolo a publié mes photos nues à WhatsApp. Voilà, c'est ici. Voilà. Voilà mon cul ici. Je prononce le nom des gens. Lolo. C'est toi qui prononce le nom des gens. Moi, j'aime pas. Je m'en fous. Je suis au gouvernement depuis. Moi, je danse pour Poulbia tous les jours. Tu danses pour Poulbia, toi aussi. Tu peux danser pour Poulbia. Tu as fauté. Tu fais tout. Tu as publié mes photos nues. Voilà mes photos nues ici. Là, comment voir moi-même. Voilà la vidéo que j'ai faite. À Madame Mouniki. C'est une vidéo que je t'ai envoyée. Voilà, c'est une vidéo que moi aussi j'ai fait pour les dos. N'est-ce pas tout ce que tu as fait? Parce que tu ne voulais pas faire la vidéo. Et je n'ai pas compris pourquoi tu ne voulais pas faire la vidéo. Finalement, tu as fait la vidéo. Et voilà mes culs. Mon clitoris, quoi, tu as dit que tu es parti allonger le clitoris. Tu dis que c'est mon clitoris ici. Voici mes fesses. Je reconnais. Parce que j'ai un beau corps. On est d'accord là? Qui ignore les seins de la veuve joyeuse? Voici mes seins ici. Toulou. Voici mes jambes, écoutez jambes ici. Moi aussi, c'est l'eau. Donc, là où tu es là, tu vas. Je te dis, je ne parle même plus avec toi. Tu iras prendre ta drogue à Kotage. L'eau ira prendre sa drogue à Mantou. L'eau, tu iras prendre ta drogue à Mantou. Moi, je publie, moi, il faut comprendre. Moi, on ne me fait pas de chantage, l'eau. Voici ta part ici que je ne veux pas montrer. J'entends. Je ne veux pas montrer. Ce n'est plus la peine de louer. Vous pouvez faire quoi qui? Les sales bamilekés, si vous pouvez faire quoi qui? Vous pouvez me menacer. Une femme qui a publié ma ex sur Ah, ma chérie, calmez-vous. C'est vous qui avez peur. N'ayez pas peur. Vous êtes les chiennes de la République. Les boules vous pèsent dans tous les trous du cul. Alors, calme-toi. Je ne te bloque pas, je ne te bloque pas pour l'instant, parce que tu m'emmerdes. J'ai eu ce que je voulais. Viens parler ici. Tu attends, non. Bon, je m'explique. Je vous explique un truc qui se passe. Vous savez, quand une Bamileke déchue comme le Lone Fondja s'attaque à une comme moi, le Lone Fondja, il faut faire attention. Hier soir, tu as publié, c'est même qui ici? Qu'est-ce qui se passe encore ici? Vous m'envoyez des pas de 8 masques. J'ai fou quoi avec des pas de 8 masques. Allez-y. Ah oui, on m'a envoyé. Ouais, on m'a envoyé des pas de 8 masques. Hey, Cameroun va chauffer 8 masques. Merci, ma. Attends d'abord. J'ai fini d'abord ici, là. Pour vous dire qu'une chose, que dans la vie, il faut faire attention. Lolo, c'est une manipulatrice au père. Hier soir, elle a appelé Lolo. Elle a appelé. Marie qui se bouge. Pour jamais qui se bouge. Que voilà pour des ébias. Qu'on a convoqué au palais. J'ai dit que mais, on a demandé de l'aide. On a demandé de l'aide. On a demandé de demander ce qu'on veut. Chaque temps ici à Facebook, il y a des gens qui ont dit que, oh, il y a des gens qui font des litiges ici, qui aident les gens des litiges. Non, c'est pareil. Je peux dire que Madame Martine, elle m'a dit qui aide-moi. Ma chatte bia, aide-moi. Mais. Lolo, je n'ai pas compris pourquoi tu ne voulais pas. C'est comme ça que j'ai pris ma vidéo, je t'ai envoyé ma vidéo. Que fais comme moi. Voilà, je te donne l'exemple pour voir ma vidéo. N'est-ce pas, tu as regardé la vidéo là? Tu as regardé ça pour m'envoyer ça, pour renvoyer ça. Mais ta vidéo que moi j'ai pris hier sur Facebook, j'ai pris hier sur Facebook que cette vidéo, que j'ai pris hier sur WhatsApp, que toi tu as envoyé à ton chéri pour Desi Bia. Tu l'as envoyé cette vidéo et que lui partage tout ce qui se passe. Le nom, tu es derrière, mais moi je te lâcherai pas. Tu sais, le nom, j'ai eu l'argent au pays. Même quand j'étais au Cameroun, j'avais mon café, on appelle ça Valérie Snack Bar. À commando opérationnel, on nous fermait souvent comme ça. J'étais enceinte, on a mis comme ça. J'ai connu la série au pays, je peux aller au pays. Mais mes enfants, les gens vont se mobiliser pour moi, pour m'aider à sortir. Mais toi, je ne suis pas sûr. Parce que tu es traître. Te voici qui a publié mes photos, les anciennes photos d'Otam.
On est d'accord là? Donc, pour te dire que je suis une femme, que moi je n'ai plus honte de ma vie. Mais tu joues un mauvais rôle. Tu as appelé Marie qui s'est proposée le matin pour dire que ah, voilà, maintenant on a convoqué au palais, on a convoqué Paul Désir Biya au palais, maman, qui n'est plus machin, tout ça. Parce que tout ce que tu veux, c'est que on m'écarte du réseau. Moi, je m'en fous de l'eau. Dame, avec tout ce que j'ai eu, j'ai travaillé dur dans mes mains. Si je faisais la pute quand mon mari est mort, que je rentrais dedans, ce que je ne suis même pas sûr que je ne serais plus mariée, je ne serais pas mariée aujourd'hui. Mais j'ai pris sur moi. Vous vous êtes moqué de moi. Tu t'es moqué de moi. J'ai couché avec un même homme qui m'a jamais fait baiser, qui m'a baisé et qui m'a jamais donné l'argent. Qui n'a jamais rien. Un petit pauvre crevard qu'on appelle Otam. Qui me venait chez moi. Chez moi, Otam ne mangeait pas. Hein. Je préparais pour mes enfants. Quand ils venaient. J'ai dit que quand tu viens là, hein, prends ton kebab. Il venait manger son kebab chez moi. Après, on allait au lit. Et je prenais la drogue. Devant lui. Je lui dis, Otama, appelle. Il me prend la douche, je sniffe devant lui. Tu comprends? Donc, je dormais avec lui. Mon mari est venu me dire qu'il ne veut pas cette relation. J'ai dit, tu Otama, dehors à 5h4 du matin. Quoi, quand il sort d'ici? Il a parlé fort. J'ai joué avec lui. On t'a dit que je suis comme ça. Moi, je casse, ça ne va pas. Je dis que merde. Ici, c'est merde, merde. Toi, tu es en train de ruminer la pitiation de ta femme misérable qui ne vaut rien. Moi, mes enfants n'ont pas de vie. J'ai fait ceci, mais j'ai quand même une belle vie. Une très belle vie. Là, j'ai voyagé. Quand je viens ici en France, je viens en première classe. Air France, toi, tu as fait comment pour arriver ici? Une bosa, une sale bosaïs comme toi. Une femme que on a, ton papa, tu as fait l'enfant avec ton propre père. Qui s'appelle Niat, à 12 ans. On vous a chassé. Ta mère t'a banni. Comme ta mère t'a banni, comme ma mère m'a banni. Sache que moi, toi et moi, c'est une place. Je ne laisserai pas. Au palais, tu parles toujours de mes enfants. Tu as eu mes enfants. Mes enfants sont métis parce que j'étais avec les blancs. Au moins, j'ai les preuves que j'étais avec les blancs. Toi, tu as quelles preuves? Toujours les enfants métis. On est sur les enfants métis partout. Toi, tu as quelles preuves? Tu as quelles preuves? L'homme Fondia. Montre tes preuves. Tu as fait quoi ta vie? Ta vie, c'est quoi? C'est le baloc. Un baloc. Une femme belle, grande et tout. Même pas un bon client qui t'aide. Même pas un mari. Rien du tout. Regarde. Les gens mettent les seins là. Toi, tu as les seins naturels, mais malheureusement pour toi, quand tu enlèves le soutien, ça arrive ici. Ça ne veut rien dire. C'est toujours les seins. Tu as fait quoi dans ta vie? Tu as construit là où ma mère dort. C'est moi. C'est moi. Tu m'insultes, moi. Tu veux m'insulter, toi? Moi, mais je me suis débrouillé. Tu es où depuis que tu te caches? Voilà notre sœur. Ta sœur, Bamineke, qui t'embourbe là, dans la fournaise. Non, pour l'instant, pour que tu reviennes au Cameroun, il faut te cacher. Portez-moi plainte au Cameroun. Je veux me défendre. Le Cameroun, c'est un pays de toi. Je veux me défendre. On m'a vu en Conakry. Je n'avais fait mes 3 mois, mais 1 an. Je reste là-bas, je sors. Je sortirai un jour. Mais je vais me défendre. Mais c'est parce que le nom Fondia, tu me peux. A dit ça depuis que ferme ta gueule sur moi. Voilà ça ici. Tu peux maintenant pleurer, derrière. Vous appelez Natacha de Monaco. Que Natacha de Monaco fait attention avec la veuve. La veuve va te faire. Je n'ai rien à foutre. Natacha de Monaco, c'est une soeur. Elle est là seulement pour me booster. Je peux trouver ma vie à Monaco ici. Comment je peux trouver ma vie en passant à Clichy ou à Suresnes. Il faut seulement que quelqu'un me tienne la main pour me booster. C'est tout. Mais ça vous fait tellement mal. Parce que, avec tout ce qui s'est passé au Cameroun, non seulement comme accusateur, et de deux, c'est que je suis avec Natacha de Monaco. Natacha de Monaco, je te remercie grandement, que Dieu te bénisse. Tu m'as boosté un peu. Merci beaucoup. Et je remercie toutes les sœurs qui sont à Monaco, qui me voient et qui ne me font rien. Ce n'est pas grave. Je vous remercie quand même pour votre gentillesse envers moi. Parce que c'est vrai qu'à Monaco, les gens sont très discrets. Lolo, toi, tu as quoi? Voilà mes photos que tu as envoyées. Et tu as dit quoi? Que ce n'est pas fini. Mais vas-y, montre mon cul, montre mon clitoris. Et voilà, tu es mon clitoris plus que ça. Tu es mon clitoris, ma. On a tiré mon clitoris plus que ça. Que ça pend par terre. C'est tout ce que tu sais faire dans ta misérable vie. Tu es dans le noir, en autarcie. Voilà ta soeur là-bas qui a dit que. On va voir qui elle est vue. Puisque l'autre.
Parce que tu as eu 15 000 vues. On va voir qui aura les abonnés, les influenceurs. D'abord, vous manioc des influenceurs de merde là. Non, non, d'abord, je ne suis pas dedans. Et puis, ma soeur Marie-Christine, je vais te dire que, ma soeur, fais attention. Tu m'avais promis que tu ne parlais plus avec Lolo, mais apparemment, tu parles avec elle. Donc, c'est toi qui vois. Hein. Moi, je suis dans ma lancée de la haine. Cette fille de Lolo, n'oublie pas, Marie-Christine, que cette fille t'a menacée. Elle a arraché l'argent dans tes mains, devant moi. Elle t'a traité comme une merde. Elle a bagarré avec toi. Elle t'a insulté que tu es une fausse. Aujourd'hui, tu parles avec elle. Tu parles avec elle. Comme à Facebook, tout le monde veut aller là où il y a des vues. Moi, je suis la seule à Facebook. Moi, je n'ai pas de fan club. Moi, c'est la seule personne que je n'ai pas de Warriors. Je n'ai même pas, je n'ai rien. Tout le monde est Warriors. Tout le monde est. Je ne sais même pas qui sont les Warriors ou pas. Il y a les, tout le monde est sympathisant des Warriors. Parce que les teams. C'est ça qui donne la haine. Donc, ma soeur, moi, je te dis la vérité. Si tu continues à parler carrément avec le long fondant, je ne suis plus avec toi. Mais sache que tu seras la perdante de tout, parce que tu vas perdre tous les numéros. Moi, j'ai les numéros. Tu m'as, moi, j'ai aussi les numéros, tu sais très bien. Mais moi, je reste tranquille avec mes numéros. Et je te dis seulement que moi, j'ai. Soit tu es avec moi, soit tu es avec eux. La salle bamiéque là, parce que ce n'est pas les deux bamiéques là, la salle bamiéque là. Parce que voilà mes photos nues qu'elle a mis. Comme elle a sorti des photos nues. Voilà ma femme qui est sortie avec un long clitoris. Voici celle-ci. Tu m'entends? Moi-même, je mets que maintenant, même les enfants, ma famille, voient. J'arrive, laisse-moi finir. Que mes amis voient. Pour te dire que l'eau, je ne suis plus à qualité là. Donc laisse-moi. Tes gens m'appellent, tes gens m'insultent, et c'est toi qui m'insultes, tu ne me peux pas de l'eau. Même avec les mains de l'eau, tout est mon bagarre. Tout est mon bagarre propre. Et il y a jamais 200 poids. Et sache que la reine que j'ai avec toi, j'aurai la reine là toute ma vie. Tu as sorti mes photos, non. J'avais un long pétrole qui pendant. Mais tu as vu mon corps, le cœur de sirène. Mais seulement mon visage. Tu ne comprends pas, tu es une bandite. Mais moi, tu peux me taper. Parce que moi, j'ai tapé ici. Des cartes internationales. Comment tu as mis ma part? Mais je garde ça pour moi, je les mettrai un jour. Mais sache que je veux te dire une chose, je n'ai pas peur de toi. Je n'ai pas peur de toi, le long Fonja. Regarde-toi. Moi, je suis la lumière. J'étais à Cannes, tu m'as fait les marches de Cannes. Toi, tu es où depuis? Tu te caches pourquoi? Voilà un camp qui est là, qui parle des internationales, les blogueuses. Ah oui. On voit qu'un camp. Bravo, ma femme. Tu es une femme. Là, voilà. Toi, tu es où aujourd'hui? On est en train d'appuyer, te mettre dans le noir. Tu es incapable de dire non. Et tu me parles. Tu es une femme, toi. Moi, je suis une femme déterminée. Je sais ce que je veux, ce que je cherche. J'ai seulement voulu qu'on me tende la main. Si au Cameroun, le réseau du Cameroun meurt, hein, ce n'est pas grave. Je vais me battre ici. Ce n'est pas le réseau du Cameroun qui a conçu mes maisons. Ce n'est pas le réseau du Cameroun qui me vainque quoi que ce soit. Mais moi, j'aime le régime. Et j'aime pour bien. Et j'aime ma chère soeur, Nathalie Modiki, qui m'a tendu un peu la main. Et il faut que je vous dise une chose. Ce n'est pas l'État camerounais qui a payé les billets d'avion. Ce n'est pas l'État camerounais qui a payé quoi que ce soit. C'est madame qui nous a aidés. Parce que c'est une femme qui aide tout le monde. Moi, j'ai toujours dit, j'ai dit la vérité. Parce que parfois, à force de cacher, ça dépend. Si vous voulez seulement son niveau, allez la chercher aussi sur les réseaux sociaux. Vous allez trouver son numéro. Et puis, elle va vous aider. C'est tout. Mais si ma soeur, tu ne veux plus m'aider, tu ne m'aimes plus. Ce n'est pas grave. Mais je n'ai rien fait de mal. On m'a attaqué et je réponds. Et je répondrai toujours. Et oui. Donc, c'est à toi de voir. Moi, je me bats depuis des années seul ici. Moi, je serai au Cameroun au mois de mars. Ce qui est sûr, c'est ça. Les plaintes que j'ai, allez porter plainte. Tout le monde commande dans la vie. Oh, ma Chantal Bia, aide-moi. Moi, je vais faire une requête demain. Je vais m'asseoir que ma. Cela veut vous joyeux, je n'ai rien fait. Aide-moi. Vous avez commencé un travail avec la Veuve Joyeuse. Continuons avec ce travail-là. Ce qui est sûr, c'est ça. Une fille banlieue qui veut y venir faire des problèmes dans le truc. On t'a pris, on t'a amené. Te voilà aujourd'hui. Tu as sorti. Voilà, maman Moudiki. Voilà les photos nues de moi que Lolo Fondia a mis dans les réseaux sociaux. Voilà, c'est ici. On est où là? Vous allez encore dire que j'ai marre. Et moi, j'ai ta part. Moi, je n'ai pas mis. Moi, j'ai des enfants, Lolo.
Mes enfants voient cette vidéo. Ma famille voit mon. Ma famille a vu mon oncle du touriste. Mon du touriste que tu es parti tirer. Toi-même. Puisque j'ai un oncle du touriste. Ça fait des années que ça sort. Mais si j'ai un oncle du touriste, c'est bien, non? Ça veut dire que c'est un bon clitoris. Qui n'est pas sur le clitoris? Qui n'est pas mangé le clitoris? Tu es trop bête. Sache que toi et moi, c'est balatant. Mais je ne veux pas aller plus loin que ça. Certainement. Tu es idiote. Voilà ça. Tu crois que les gens que tu as envoyé mes photos là, nuls là, et toi-même tu écris, que ce soit, tu vas mettre encore plus, mais tes écrits sont là, loup, mais je vais t'abattre comme une chienne que tu es. Tu entends? Voilà ta soeur, quand tu te caches où? Parce que comme tu as eu 15 000 vues, quand tu dis que ne parle pas, ne parle pas, ne parle plus, ne parle plus, pour te mettre derrière. Pour qu'elle reste gouvernée. C'est entre vous, les gens qui ont les teams. Les gens qui ont les grandes pages avec les 4 millions de vues qui vous regardent. C'est pas de vous là-bas. Mais la seule personne qui est néant, qui ne réfléchit pas, qui va aussi faire pour ne rien dire des réseaux sociaux et qui ment, c'est toi. Aujourd'hui, on est où? Continue. Que Fleur, il a quoi? On lui pose la question que vous faites quoi? Elle a quelle société? Ça s'était percé par où ici en France? Bah oui, non, hein? Les filles américaines, ça allait me tuer ici à Facebook. Tu sais, c'est qui? Fleur, comme on a, tu as quelle société? C'est Fleur de Lille. Vous savez, c'est bleu. Ah oui? Oh, putain, tu es tellement idiote. Tu as vu comment ta soeur, Babineka, t'es. Mais sache que moi, j'étais vraiment, mais. J'étais fait voir que. Moi, ne fais pas ça, ne fais pas ça. La fille avait resté seule, régner. Entre vous, les gens qui veulent venir à Facebook, hein? Parce qu'une comme moi, je m'en fous. Même si j'ai mes deux vues, moi, ça va avec vous, on reste là, je m'en fous. Mais je voulais te montrer que, regarde, ouvre les yeux, regarde où tu pars. Aujourd'hui, c'est elle seule qu'on invite. Hein? Mais si tu es au Cameroun, pourquoi n'a pas pris? Pour t'amener aussi à la télévision avec toi. Que Macron, viens, on part ici un peu à la télévision. Tu parles. Mais elle était bien là, bien maquillée, avec ses habits et sa soupe. Toujours pareil, avec la poitrine bien dressée. Oh, vous savez, les blogueuses. Là, c'est là. Tu regardes ce qu'on a dit. Elle a salué un peu Moussa au début. Elle t'a salué parce que on n'a pas. C'est une journaliste, on appelle ça Nadège. J'ai suivi qui t'a dit quelle relation tu as avec ces blogueuses.